l'herbe aux chantres. Les chantres étaient des chanteurs religieux qui chantaient beaucoup et qui avaient donc besoin, pour adoucir leur voix, de se faire des petites infusions ou des petits sirops à partir de cette plante, le cicimbre officinal. En ce moment, c'est le début de la floraison. On voit les toutes petites fleurs jaunes à 4 pétales, disposées en croix. 6 étamines, c'est-à-dire les petits organes mâles qu'on voit au centre de la fleur, qui fabriquent le pollen dans la famille des brassicacées. Dans la famille des brassicacées, on a des feuilles alternes sur la tige. On a une odeur, si vous prenez ça par exemple, et que vous l'écrasez, mais ouf, et ben ça pique le nez, comme la moutarde. On parle d'odeur soufrée, hein, due aux molécules qu'il y a dedans, qui sont les isothiocyanates. J'ai réussi. Les feuilles profondément découpées, elles vont avoir des poils dressés. Différence par exemple du colza, qui n'a pas de poils. Les lobes, qui sont eux-mêmes un peu découpés, dentés. Les fruits, qui ressemblent à des gousses, mais sont des siliques, dans la famille des brassicacées, qui sont collés à la tige. Alors que bon, d'autres espèces de cicimbres, par exemple, vont avoir des fruits qui s'écartent comme ça. Donc si c'est assez parallèle et collé à la tige, c'est un bon indicateur que vous êtes face au cicimbre officinal. Pour vous faire des sirops, il vaut mieux utiliser la plante fraîche, parce qu'au séchage, elle perdrait certaines propriétés. Voilà, chers amis, si vous voulez apprendre tout ça avec nous, n'hésitez pas à venir à nos balades en région parisienne. Sur notre site lechemindelanature.com, vous avez toutes les dates. À la prochaine.